je suis là avec Franco. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi qui t'a inspiré à faire ce beau mural? Ah, merci, merci. Honnêtement, j'y suis allé tellement simplement. J'ai juste pris des photos de mes amis. On était allé à un festival au Portugal, quoi, 2 semaines avant. Puis je me suis dit, ça s'est fait tellement vite, je me suis dit, OK, ouais, juste prendre les selfies qu'on a pris, puis comme remettre nos mémoires ou nos souvenirs sur le mur. Puis je trouve que comme les souvenirs du festival Oshiaga, ben c'est ce que tu retiens à la fin de ton été. Là, tu retiens tous ces souvenirs-là avec tes amis, danser, les couleurs, l'énergie. Donc c'était vraiment ça, prendre l'énergie que j'avais vécue avec mes amis puis la traduire à la Oshiaga. Oui, mais savoir, est-ce que les couleurs, ils ont une signification, une représentation pour toi ou t'as juste choisi comme... Dis-moi comment ça a fonctionné là. Ouais, les couleurs, c'est super important. C'est comme, je pourrais dire comme c'est l'âme. C'est là que se retrouve l'âme de mes murales qui me différencie beaucoup dans mon style. Je dirais que les couleurs, je me suis vraiment inspiré d'énergie. Comme il y a ce moment-là qui est typique au festival de Oshiaga qu'on appelle le Golden Hour. C'est vraiment quand le soleil se couche là. Derrière la scène, puis c'est comme, t'as des oranges, t'as des jaunes, t'as des roses, vraiment comme typique au festival. Donc, je voulais vraiment retraduire cette énergie-là de vraiment le golden hour avec le bleu, avec le rose. Puis le sweet moment, là, quand genre le son, la température, un bon petit vent frais, le soleil, tout est parfait. Puis c'est genre, là, t'apprécies la transition de la journée à la nuit. C'était quoi ta réaction quand t'as eu la nouvelle que c'est toi qui allais faire les affiches pour Oshiaga? Oh my God! Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, mais à un certain point, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que comme le mouvement, la musique, c'est la chose qui m'inspire moi-même, qui m'allume. Donc c'est normal, ça fait un peu de sens que comme la musique, la chose qui m'allume le plus, ben me demande de rendre l'appareil ou de l'allumer elle-même. Un festival, je trouve que c'est tellement une belle occasion de célébrer la musique, mais aussi, genre, la musique crée de la couleur, la musique crée des sons qui m'inspirent moi-même. Donc, c'est comme un vice-versa vraiment le fun. Ouais, merci beaucoup, vraiment, Franco. T'as un talent incroyable. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire après ça. Ah, oui, ça n'est qu'un début!